Hey, les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, une 15e fois que je fais cette vidéo, parce que je vais vous expliquer pourquoi et comment. En quelques mots, mal fait dès le début. Je trouve qu'il est mal fait dès le début. J'ai regardé un peu, donc on se retrouve sur Warlong, donc le jeu que j'ai fait il y a mercredi ou jeudi. Et normalement, la vidéo d'avant, vous avez Fortnite. Donc normalement, pendant l'événement, il n'y a pas eu vraiment d'événement, mais pour la nouvelle saison, je m'étais dit, je vais tourner en boucle, comme ça je serai tranquille. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc on va me dire, mais samedi, c'était pas... Oui, je sais, c'était hier. Il est 18h, ça fait pas tout à fait une heure que je fais ça, mais en fait, j'ai déjà fait 4 fois cette vidéo, 4 à 5 fois. Et le souci, c'est que j'arrivais pas à battre le premier boss. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'on puisse pas battre le premier boss. Et je vais regarder un peu des astuces, des trucs comme ça. Alors, il y en avait qui disaient qu'il fallait être à un certain niveau. Il y en avait qui disaient qu'il fallait avoir des atouts un peu en particulier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, piste 1, Warlong. Donc, voilà mon personnage. Donc, je l'ai recommencé. Je l'ai recommencé 4 à 5 fois, le personnage. Et, parce que bon, déjà, il y avait la première fois où, quand j'ai fait la vidéo, c'est pas le même personnage. Donc, ça fait la 5e fois, celui-là. Je me suis dit, ouais, ce personnage-là, il me va pas, machin. Et en fait, plus j'avance, plus je me dis, j'aurais pas dû le supprimer. Parce que, tout compte fait, les stats, il y avait juste à augmenter les stats. Donc, bien sûr, vu que j'ai déjà fait le boss une fois, vous n'avez pas les introductions. Donc, si j'arrive à trouver les introductions entre l'arrivage du boss et sa deuxième forme, parce qu'il a une deuxième forme, je vous les mettrai pour que ça soit bien correctement. Mais bon, je sais pas, vu qu'il n'y aura peut-être pas des vidéos ou quoi que ce soit. Il y a juste la présentation du premier boss qui nous arrive dessus et sa transformation où il avale une pilule dorée et il se transforme, comme vous allez le voir, en vidéo. Donc, je me bats au katana et au coupe-chou qui est dans le dos, comme vous le voyez. Toujours avec le deuxième personnage. Apparemment, une fois que vous avez battu le premier boss, vous avez une forge, donc vous pouvez améliorer les armes, tout ça. Donc on va voir ça aujourd'hui, si j'arrive vraiment à avancer, parce que clairement, c'est soit si j'arrive pas à avancer ou quoi que ce soit, je posterai cette vidéo. De toute façon, je ferai du montage quand même, parce que voilà. Mais si je vois que c'est ingérable et qu'il faut être à un niveau... parce que je suis déjà niveau, là pour vous dire, je suis déjà niveau 10-11, je crois. Je suis déjà niveau 12, donc avec vertu du bois 5, vertu du feu 2, vertu de la terre 5, vertu du métal 2 et vertu de l'eau 2. Alors, il précise bien qu'il faut être au minimum 5 de bois et 5 de terre. Et au minimum avoir 2 de métal, mais comme dirait l'autre, j'ai quand même, vu que j'avais mis déjà des points dans le feu et dans l'eau, on a du 2 et du 2. Moi je sais pas, mais on va voir ça ensemble. Donc après, vous avez des points pour améliorer donc votre sorcellerie, donc les points de compétence pour ça. Donc comme vous le voyez, j'ai quand même déjà mis pas mal de points. Je me balade avec protection renforcée, boule de feu, posture du nuage et absorption vitalité. Donc pour les armes, donc clairement ça sera beaucoup plus simple. Là c'est juste un renforcement de mon armure. La boule de feu, ça a une balancement de boule de feu. Là c'est réduction du montant de l'esprit dépense pendant un certain temps, donc ça évite que mon endurance de protection d'énergie se barre trop vite. Et l'absorption vitale, ça c'est quand vous attaquez quelqu'un qui fait que vous avez quelques petits trucs. Donc faut améliorer certains atouts, le feu, les machins.
Donc il faut bien sûr améliorer. J'ai quand même pas mal d'équipements. Je vais vous montrer ça. Donc au niveau armes, je crois bien que j'ai tout de la zone, je pense. J'ai vraiment, vraiment tout, tout, tout. Donc après, bah, au niveau, pareil, au niveau des tenues, c'est souvent soit les mêmes ou les trucs comme ça. Donc comme vous le voyez, bah, je suis surtout avec mon armure Beush, donc de 4 étoiles. Alors on va me dire, ouais, mais il y en a qui sont meilleurs. Alors oui, il y en a qui sont clairement meilleurs au niveau des protections, des trucs comme ça. Donc au niveau du feu, de la terre et tout ça. Le renforcement, alors je pense, là c'est la résistance, pardon. C'est la résistance, mais le truc c'est que je sais pas, en fait je sais pas quel est le truc du boss. C'est surtout de la terre et c'est surtout de la terre qu'il utilise. Donc bon, j'utilise surtout cette armure là, mais après je pourrais presque... Attendez, je vais voir s'il y a une meilleure tenue aux résistance terre. Mais après la défense, résistance physique, ah ouais mais non. Je préfère quand même avoir une bonne résistance. Après on a quelques casques. Donc voilà, j'ai un casque niveau 3 qui est plutôt pas mal. Même mieux que le casque de l'étoile 4. Là bah, c'est pareil. Donc on a là on a un bracelet. Mais clairement celui-là... Pourquoi j'ai un bracelet? Pourquoi je l'ai mis? Dégâts aux ennemis électrocutés. Attendez. Ah oui, ouais, parce que c'est meilleure résistance. Ok, donc on va rester comme ça. Alors, donc on va aller battre le boss. Donc, bah, vous n'aurez pas les cinématiques, je suis désolé. Hein. Si j'arrive à les trouver, je les mettrai. Mais si je les trouve pas, parce que vu que le jeu vient de sortir ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui font des vidéos dessus, mais le truc c'est de les récupérer. S'il y en a qui mettent des caméras ou des trucs comme ça, il faut que j'ai les droits de récupération, des trucs comme ça. Je vais complètement dégueulasse, je suis quand même encore 22 quand même. On n'a pas fait le temps de descendre que ça. Mais pourquoi? Ouais, d'accord, ok. Genre. Mais genre! Le truc qui te spamme, tu l'esquives, mais il t'enchaîne quand même. Bon, j'arrive déjà à mieux gérer quand même sa première phase, parce que c'est vrai que dans les débuts, j'avais clairement du mal. Déjà tout à l'heure, j'avais vraiment du mal. Mais ça va déjà un peu mieux. Pas trop tôt.
Parce que je me voyais pas refaire une vidéo dessus, hein. Clairement. Ok, nous avons un dragon qui est apparu. Attention les épileptiques. Ah bah non, s'il y a une troisième phase, ça va pas aller. Hein. D'accord, en fait, le dragon... Ah! Donc le dragon qu'on voit sur l'affiche au début. Oula, bon, on voit plus rien. Le dragon qu'on voit sur l'affiche au début, qui est sur le côté, en fait, c'est donc la première, la personne qu'on a dès le début et qui est devenue méchant à cause de l'autre vieux con, là. Qu'on voit pareil. Alors, ça, c'est... Merde! Si on doit se battre contre un dragon... J'espère juste qu'on va pouvoir la sauver, quoi. Donc ouais, il fallait juste... Parce que les phases sont complètement différentes. Là, par exemple, là, il m'a clairement enchaîné comme la première phase. La première phase, il a clairement fait que des attaques basiques. Il a... Bon, je me suis aussi cuté sur les esquives. Mais le truc, c'est que les esquives, faut appuyer deux fois sur B. Deux fois sur B pour faire une esquive normale. Et deux fois sur B, plus le stick sur le côté gauche ou droit ou machin. Et pour faire une esquive, lui rentrer dedans ou le machiner, et ça c'est chiant. Donc je sais pas du tout comment ça doit être sur clavier, parce que clairement déjà clavier souris, je pense que ben, ça doit être la souris pour attaquer les machins, les coups spéciaux, mais ça doit être sacrément chiant pour esquiver s'il faut appuyer double fois sur A ou les machins. Sur les doubles fois sur les touches du clavier ou même des barres d'espace, hein. Je pense que ça doit être la barre d'espace, les esquives, la plupart du temps. Mais ça doit être chiant. Donc bah j'espère qu'on va pouvoir s'améliorer. Puis j'espère qu'on va pouvoir avoir une tenue parce que bon, c'est vrai qu'on a battu le boss, machin, ou avoir un truc un peu, une ma la masse ou quoi que ce soit. Mais d'avoir un truc un peu... correct quand même parce que bon c'est vrai que bon de se battre contre le boss Giza l'esprit de la lumière, l'esprit du dragon, ça se pourrait bien. Oui, parce qu'il aurait pu nous tuer dès le premier tour en... Mais... D'accord. Alors les échos, c'est pas moi, hein. C'est clairement le jeu. Même moi, j'ai des échos à la télé, donc c'est tout à fait normal. Oh bah oui, les corbeaux. Et dites donc, allez chier ailleurs. D'accord, c'était juste l'introduction? Ah ouais, ok, super, à l'introduc. Super l'introduction. L'introduction qui dure 2 heures, quoi. Clairement, si tu t'améliores pas, tu passes ta journée dessus, quoi. Et ça, c'est pas normal. D'avoir une introduction où t'es obligé de t'améliorer dès le départ, ça devrait pas être possible. L'introduction, normalement, l'introduction, c'est d'une traite. Normalement, tu devrais même pas... t'améliorer ou quoi que ce soit. Donc moi j'appelle ça pas du normal. Compétence personnage. Ok, donc œil bandé, ok. Dans le chaos là, voilà, ok. Ah ouais, d'accord, en fait. Ok, donc toast noir. Et donc là c'était le boss qu'on vient de battre.
Le début de la... Ok, d'accord. Voyons voir ce qu'il nous a rapporté. Cet équipement, bonus, c'est ça. Ok. Un gourdin. C'est une gourde. C'est un gourdin, le machin. Casque du dragon pêché. Waouh. Stylé. Armure générale de l'homme. Voilà. Oh, pas mal. Ah, c'était l'armure de l'autre. Et là, on a des gants. Des gants qui sont bien meilleurs. 26. On perd quand même. Ouais, clairement, le gant des 4 là, c'est bien gentil, mais le poids, il est bien. Hein. Le poids, on gagne du poids, mais y a rien. Y a pas grand-chose. Ok. Bah, moi, je trouve que le casque est plutôt sympa. Ok, on va. Oh, par contre, j'ai une patte au katana. Donc on va avancer hein, encore un peu, hein, c'est pas. Saut du tigre. Caillou. Accessoire. Le saut du tigre. Un saut du tigre est un objet de bronze en forme de tigre sert à recruter et rechercher des renforts autour d'un dragon de combat permettant recrutement instantané si utilisé comme objet. On raconte qu'il a été donné en généraux de la Chine antique par Tianzi, le fils du ciel, comme symbole d'autorité pour lever une armée. D'accord. Donc c'est un genre d'objet pour faire un truc. Ok. Compris. Ok, donc fonction d'option. Ok, la coop est activée. Voyage, c'est quoi là? Ah ouais, c'est pour voyager dans la première zone, j'imagine. Première partie, deuxième partie. Donc là, on est clairement dans la deuxième partie. Qui change pas. Alors, première partie, ok. Ah, c'est passé en vert. Ok. Niveau. Je vais me mettre dans l'énergie, dans la vigueur parce que. Préparation combat, objet. Alors, objet acheté. Ok. Vente. Cocher. Cocher les cochers, ok. On va. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je vends tout ce qui a une étoile et garder les deux étoiles? Parce que de toute façon, là, j'utilise le sabre. Ah, ok. Au niveau de tenue. Le truc, c'est que je sais pas si acheter, je sais pas ce qu'on peut acheter. Couteau empoisonné, couteau, ok, flèche, couteau d'arbalète, carreau d'arbalète. Donc je pense qu'on va avoir droit à des arbalètes et des flèches. Poudre de 5 6. La poudre de 5 minéraux et de drogue. Ok. Putain, on commence déjà mal là, s'il faut se shooter pour jouer. Ah, Boudio. Pour continuer, shootez-vous la gueule, quoi. Attends, c'est des gentils ou des méchants, eux?
la masse elle est bien, mais ouais, non, non, c'est pas mon style de jeu quoi. La masse est trop lourde, c'est pas mon dada. Donc on va repasser au cure. Ah ouais, mais je l'ai enlevé le cure-dent. Donc on va rester sur le katana. Hein. Arrêtez de vous protéger, battez-vous correctement. Ah, ça a des trucs que j'ai horreur, ça, moi. Tu te bats, mais il y a le match. Oh, d'accord. Cinématique. Puis je pense qu'on va s'arrêter après la cinématique. J'imagine que... Les quoi s'il saute un cheval lui. Ok, t'es qui? Tu veux pas? Tu peux te présenter, oui? Sesha, Kōson san dono no hei o azukaru chou. Azana wa Shiryu to mosu. D'accord. Je suis arrivé de où là? Ah mais d'accord, il est arrivé de là-bas. Ok, alors là par contre la logique du truc c'est qu'il arrive à cheval mais le cheval n'est plus là. Les ennemis essaient de vaincre les joueurs sur le champ de bataille, peuvent apprendre sur votre champ de bataille en tant que cible vengeant. Forme de... Ah, on peut se venger des personnes. Ah, le soldat Gunzon a vaincu le... Si j'ai changé pour que ça soit plus ma protection. D'accord. Attendez parce que... Ah, on a une biographie de notre cher pote. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ok, on pourra débloquer le passage là-bas plus tard. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que... on va mettre le drapeau et puis on va s'arrêter là. Voilà.
7 sur 5, ok. Donc clairement, la zone a l'air sympa. Fort 1, fort... renfort. Vous pouvez utiliser certains nombres de sauts, ok. Ah ouais, d'accord. Vous avez utilisé une tasse... non. D'accord, ok. Ouais, donc il faut, ouais, il faut s'améliorer. Bon, bah les gens, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Hein, sur Wonlong, donc notre chevalier jaune pisse, comme je l'appelais, parce que clairement, les tenues qu'on avait, clairement, on a commencé avec du jaune et on se finit avec des machins. Donc je vais peut-être avancer, peut-être qu'il y a une forge, parce que apparemment il y en avait qui disaient qu'il y avait des forges et un truc comme ça. Alors peut-être qu'on va pouvoir améliorer. Donc je vais avancer un peu. Puis on se dit à la prochaine les gens, c'était Drake Survie. Donc prochaine vidéo, donc cette vidéo normalement sort le lundi à 18h si tout va bien. Et normalement on continuera, je vais faire une vidéo sur Fortnite pour mercredi. Donc normalement mercredi Fortnite, vendredi prochain Wonlong et on continuera dans ce procédé. Et peut-être que s'il y a des autres jeux, parce que là pour le moment c'est avec le Game Pass, peut-être qu'il supprimera à un moment donné, donc... j'arrêterai au moment voulu, mais pour le moment, moi, je continuais mon avancée. Donc peut-être que, voilà, il y aura peut-être des changements. J'aurai peut-être plus la même tenue. Donc voilà. Peace les gens.